Nous avons fait le 1er août, là, dans l'Assemblée générale ici, hein, près de 60 de représentants qui ont participé dans la dernière Assemblée. Là, et qui ont des paroles où Marie-Denis est allée là, Mbal Balé là, sénateur Mbal Balé là, ils ont fait partie des recommandations. Je vais vous donner trois là-dedans. Première recommandation, ils ont dit, maintenant, faites pour renouveler. Position sous question exécutif bicéphale là non pas plaisir et dans débat yo yo pas un argument solide. Je dit qui ton président a de facto ou constitutionnel yo n'a prérogative qu'il gagne c'est convoquer le peuple en ses comices dans le cadre de l'organisation des élections libre, honnête, démocratique. Ce n'est pas président, pas aucune autorité qui a convoqué le peuple pour aller dans l'élection. Donc, un exécutif monocéphale n'a pas fait ça. L'autre recommandation, il dit, c'est pour maintenant marcher contre avec différents acteurs qui aujourd'hui rendent compte. Mobilisation, ils sont bagailles indispensables. Voilà. Pour résoudre ensemble des problèmes, notamment la gouvernance pays. Il faut marcher contre Mounsayo. Et puis, maintenant, faites-vous couler avec toute l'autre monde pour nous reconstituer nation avec elle-même à travers une nouvelle gouvernance. Alors, au pays comme Haïti, nous toujours répété, dans un pays, ça a fonctionné là. Ou te doué jouer une manifestation chaque jour dans le pays. Bien évidemment, manifestation planifiée, organisée, avec des objectifs clairement définis. Peine la discussion avec nos camarades au niveau du consensus politique. Camarade Marie-Denis Soutsoulé là, il dit, il faut aller à la négociation. Il te ouvre une porte pour négociation. Nous menons une bataille pendant 3 à 4 réunions. Finalement, nous d'accord comme démocrates, il faut aller dans la négociation. Tout en sachant, à Tessa ou nous, nous habituons avec eux, il y a une possibilité pour avoir des résultats positifs. Dans toute conférence, nous faisons, dans la peine, et ceci depuis septembre, là nous passons à quoi, nous avons répété que l'insécurité a ces banditistes d'État. Semaine ça, nous avons. Encore une fois, banditisme d'État. Côté que, premièrement, port de paix, ZAM a rentré. Alors, on dit ZAM, il y a un port de paix, c'est tiré cela. Son petit parti. Il y a pile ZAM qui rentre. Et, heureusement, il y a un port de paix. Et malgré aucun port de paix, il y a un port de paix, ZAM qui a rentré. Mais si nous basons, nous, comme moi, on parle de baser sur le rapport. Si nous basons sur le rapport de CPJA, le CPJA dit clairement dans le rapport là que ZAMSA était destiné avec autorité. Comment on comprend nos situations comme ça? Tout ZAMSA, environ 130 000 cartouches, tout fusil d'assaut, le CPJ dit non rapport et pourtant des tergiversations faites pour rejoindre l'autorité, il y a passé à côté. C'est parce que l'État. Il rentre dans la question de commander des armes pour les bandits, alors que il n'y a pas qu'à commander des armes pour la police. Mais pour qui ça nous-mêmes en peine, le Premier ministre avait dit la sécurité est un détail, nous avons dit nous pas signer. Parce que s'il dit ça, c'est qu'il a géré la sécurité avec les bandits. Ça, c'est un exemple, question de port de paix. Et vous avez essayé de faire casser et faire couvrir ça pour que vous coulez les bagages là et puis l'autre bateau. Continuer à porter ça. Donc, nous avons côté pouvoir situé. Deuxième bagaille, les âmes qui ont rentré, vous avez dit l'église épiscopale, justement l'église a dit qu'ils utilisent les noms. Mais qui est-ce? Côté des âmes qui ont avalé. Ils disent les âmes qui ont avalé Santo, côté où ils ont avalé. Pour qui est-ce que c'est fini? Pour qui est-ce que c'est fini? Ils ont essayé encore de couvrir ça.